Salut ma gang de tabarnak, bienvenue au Rock City News! Et oui, c'est moi le Chuck Ozard en direct pour les Rock City News, édition du 20 mai 2019. Regardez, j'ai pas eu un coup de soleil, il y avait même pas de soleil aujourd'hui, tabarnak! Donc on va checker qu'est-ce qui se passe cette semaine dans ce merveilleux monde de la ville de Québec, Rock City. Donc demain soir au Griendel, on va avoir le lancement d'un EP de Lane avec Fate Healer. C'est en première partie au Griendel, c'est rare de faire des shows, allez voir ça, c'est micro-brasserie quand même cool. Après ça, on a mercredi à Lanty, on a Vomitory, ça veut sûrement dire vomitoire, si se faire vomir. Bonne place pour vomir, des fois à Lanty. Donc avec Torturer dès 20h. Donc ça va être mercredi soir. Et sinon jeudi le 23 mai, toujours à Lanty, on reçoit motherfucking mon oncle Serge qui va être là pour nous présenter ses bons vieux succès recyclés à faction punk rock avec son nouvel album qui s'intitule Réchauffé, comme du pâté chinois réchauffé. Jeudi, on va avoir Margaret Tracteur, et oui, petite Gab là, qui va être là avec Alicine, qui fera le lancement de leur album pour la tournée Washburn Confessional avec River Jack et John Creedon, le tout au scanner fucking tall. Mais la NSPW, là, ceux qui font de la lutte, ils présentent au bal du lézard The Rad Adams pour un party pré-Golden Shower, pré-Golden Opportunity avec la présence de plein de lutteurs qui vont être là au bal, puis ils vont faire tirer des billets là, pour leur show de samedi, ça va être complètement capoté. Après ce vendredi, gros crise de show BS, c'est avec du Natural qui est back and back and back again. C'est comme le Leprechaun, le prochain album du Natural, ça va être du Natural in Space. Fait que là, on a l'entièrement respecté du Natural avec le nouveau rappeur. Je sais pas c'est qui, mais ça a l'air cool. Le nouveau rappeur en première partie. Check it out, vendredi, gros party. Du côté du Dauteuil, on a une grosse soirée de techno avec les 15 ans de Obsession. Donc, Obsession qui fête leurs 15 ans. Grosse dérape, plein de pilules, si tout le monde capote, gros techno jusqu'à 3h, 4h du matin. Au bûcher, c'est la grande finale du Québec Rock Contest, espèce de concours interminable, avec le volet composition métal. Donc, on va voir Feast of Flesh, R-Seraph, Lancaster et Sky Hex. Donc ça va être ça au bûcher. Samedi, on a Flotsam et Jetsam. Drôle de nom, Flotsam et Jetsam qui feront leur apparition à l'Antibar et Spectacle pour leur Tour of Chaos 2019 avec les gars de Doomsday. Ah oui, en première partie. Donc après ça, au scanner, samedi, c'est la deuxième soirée bénéfice pour le festival Punk Make Noise. Donc, ils sont tellement punk, ils sont tellement cassés qu'il faut faire une deuxième soirée bénéfice. Donc, on va avoir des bands, on va avoir Défaillance, c'est du qui vient du Saguenay, ils font du straight punk. On va avoir The Only Ways, ça c'est de Montréal, ils font du punk rock 77. The Boredom Empire aussi de Québec, ils sont cool. Ils font du garage punk rock et Bauxite de Saguenay qui font du punk rock. C'est du punk rock de la soirée, on va se le dire là. Donc ça va être quand même capoté. Après ce samedi, c'est le plus gros gala de l'année pour la NSPW, pour les fans de lutte, c'est Golden Opportunity 11 qui se tiendra au centre des congrès. Fait que c'est pas au centre Horizon, c'est au centre des congrès, crise de gros show, plein de lutteurs, ça va être complètement capoté. Après ça, dimanche, à Source de la Martinière, faut pas les oublier les autres, on va avoir Wolf Rick, Color Fade et Pain Relief, donc à Source dimanche. Et puis finalement, en même temps, à l'Antibar et Spectacle, on va avoir Combi Christ avec Silver Snake, donc les serpents de les serpents de Silver, Callis, et DJ Ezekiel et Néon, comme dans Néon. Fait que ça, c'est tout plein d'affaires qui vont se passer cette semaine, et c'est ce qui conclut les Rock City News édition du 20 mai 2019. Je suis le Chuck Ozard, et on se revoit lundi prochain. Bye bye!